Michel Druquet, un dernier challenge avant la retraite, il déballe tout. Michel Druquet est toujours dans le GAM, et avant de prendre sa retraite, il veut réaliser un dernier défi. Lequel ? On vous dit tout. Michel Druquet n'est pas prêt de prendre sa retraite, point. Comme il le dit souvent, la télévision, c'est toute sa vie, et il sera sous les feux des projecteurs aussi longtemps que possible. C'est sûrement grâce à cette passion que le temps ne semble pas avoir d'emprise sur son physique. À 79 ans, il paraît encore au top de sa forme. D'ailleurs, il vient de révéler le nouveau grand projet dans lequel il se lance. On vous raconte. Michel Druquet n'est toujours pas gars mauvais. Michel Druquet a une bonne étoile qui veille sur lui, c'est l'évidence. Pour rappel, en septembre 2020, il a frôlé la mort. Le présentateur de Vivement Dimanche a subi une intervention chirurgicale à cœur ouvert, ainsi qu'un triple pontage. La bactérie, apparemment pas trop méchante, a infecté le cœur et provoqué une septicémie avec un germe qui avait touché la valve mitrale, mais aussi la rate et le rein. Malheureusement, cette bactérie a touché aussi l'artère de la jambe droite, qu'on aurait pu amputer. On a réussi à la déboucher, mais la valve était toujours infectée. Le chirurgien m'a alors dit « on ne peut plus attendre », avait-il raconté aux journalistes du Parisien. À son âge, et en pleine crise de la Covid-19, les conséquences auraient pu être dramatiques. Michel Druquet veut profiter jusqu'au bout. Mais, l'époux de Dany Saval n'avait pas encore dit son dernier mot. En effet, malgré cet aléa du destin, ce n'était pas son heure. Avec son fort tempérament, il a réussi à surmonter cette épreuve. Pendant plusieurs mois, il s'est soigné et a été obligé de s'absenter des plateaux de télévision à son grand désarroi. Michel Druquet gardait son objectif en tête. Après sa convalescence, il reprendrait son activité sur nos écrans. Le dinosaure de la télévision plaisante souvent en disant qu'il a été livré avec le poste. Une chose est sûre, les téléspectateurs vont pouvoir le retrouver dès la rentrée de septembre, à sa place habituelle dans le canapé rouge sur France 3. Un dernier challenge pour sa fin de carrière. En septembre prochain, Michel Druquet va fêter ses 80 ans, mais il n'est toujours pas décidé à raccrocher. En tout cas, avant d'avoir réalisé une dernière chose, le confident des plus grandes stars veut se lancer dans un dernier défi. Ce dimanche 28 août 2022, il a avoué aux journalistes du Figaro être là pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. On m'a demandé de trouver une idée pour faire partie de l'équipe, car je suis le seul rescapé des JO de 1964 à Tokyo. A balancé l'animateur de France Télévisions. Un moyen de terminer sa carrière en beauté, même s'il n'a plus rien à prouver à personne,